Et plop les gens. De retour dans Zero Billions. Ils sont des milliards. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué IRL. Et comme vous voyez, par contre, j'ai quand même réussi un petit peu à avancer par rapport à la dernière fois. Là, j'ai déjà tué 150 infectés bientôt. Et j'ai réussi à gagner une partie. J'ai fait une victoire qui date un petit peu le 30 avril, alors qu'aujourd'hui on est déjà le 11 mai. Et Plop Flo, comment tu vas? Oh, merci pour le renouvellement de ton Prime. C'est gentil de ta part. Du coup, voilà, j'ai avancé là. Je suis content, j'ai fait une première victoire. Alors là, je vous laisse retrouver en archéologie dans le Discord la partie, je l'ai un peu expliqué, mais j'avais une zone très bien protégée qui ressemblait un peu à une banane avec les deux extrémités de la banane qui sont, comment dire, les deux extrémités de la banane qui étaient où il y avait des passages, mais tout le reste était safe. Du coup, c'était très pratique à protéger, puis après j'ai pu conquérir tout le reste. Et par contre, toute la partie sud-ouest, donc en bas à gauche, impossible d'y accéder. Et oui, on est le 11. Il me semblait que c'était le 10 que tu pouvais renouveler tes primes, toi. mais 4 mois consécutifs, donc c'est très bien. Merci de ton soutien. Nous, on va continuer la campagne. On va se remettre dedans. Je ne sais déjà plus trop où on en était. On avait fait la côte osseuse, si c'est ça. Alors ici, il y a une horde. 8800 infectés. Déjà, 2000, j'avais du mal. 8000, on va pas y aller tout de suite. Nous avons donc accès au col étroit. Ou aux mines corbeaux. Donc la population 700, production d'or 2000. Détruisez tous les infectés, population 1000, résistez à toutes les hordes. Et là, détruisez tous les infectés, population de la colonie 800. Résistez à toutes les hordes infectées. Oui, je crois que j'avais dit qu'on partait sur les mines du corbeau. J'ai un souvenir comme ça. Ça marche, Flo. Tu peux montrer tes technos. Oui, oui, je peux remontrer mes technos. Oh, c'est vrai qu'il me reste... Enfin, que j'ai gagné 200. Alors, les mercenaires, rangers et snipers, en plus, c'est intéressant, mais ça n'a pas l'air d'être si bien que ça. Le blindage renforcé, par contre, ça m'intéresse grandement. Les entrepôts, ça m'intéresse aussi énormément. Optique, la base centrale voit un peu plus loin, ça peut être intéressant, mais pas trop. Ça, je pense pas non plus. Et ça, ça donne les snipers. Je sais, j'ai toujours pas utilisé les snipers, je sais pas à quel point c'est bien. Fusil longue portée, ça par contre, ça peut être pas mal, que les soldats voient plus loin et tirent plus loin. Et vision globale. Oui, ça c'est une merveille, je l'ai faite dans ma partie. Ça permet de... Alors c'est assez cher à faire, enfin en tout cas en partie survie. Et quand on l'a fait, bah voilà, 7000 d'or, 100 de bois, 100 de pierre et 150 de fer. Mais quand on l'a fait, on voit toute la carte, on a un map pack gratos. Pourtant, je les ai pris et c'est super utile. Les snipers sont lents mais hyper utiles. Ouais, ils ont l'air de one-shot les unités de ce que j'ai aperçu ailleurs. Mais ils tirent à 1 à l'heure, pile l'inverse des rangers. Mais moi j'aime bien les soldiers, hein, donc les améliorer là, ça m'a l'air bien. Là, avoir une unité de soldats supplémentaire qui coûte que 80 alors que là c'est 100 et 100. Voilà la différence quoi. c'est un peu moins cher, c'est surtout, je pense qu'il va falloir faire l'impasse sur certaines technos pour essayer d'avancer. Le commerce, je crois qu'il me plaisait aussi le commerce. Vendre et acheter des ressources. Ah oui, c'est ça. On peut vendre, si on fait trop de bois, ça nous rapporte de l'or. Ça, c'est très bien. C'est peut-être pas une technologie tout de suite. Enfin, qu'on a au tout début de partie, mais avoir un commerce, c'est très bien. Et on peut
aussi, si on le met près des habitations, ces habitations réclament moins de nourriture. Amélioration des dégâts du ranger, ça c'est pas ouf, vu que je fais pas beaucoup de rangers. Par contre ça, avoir des balistes, ça c'est bien ça. Oui, ils sont bien en formation avec les soldiers ou les rangers. Ouais, les snipers, faut pas les laisser tout seuls, je pense. Les barricades, aucun intérêt pour le moment, je trouve. Amélioration des murs en bois, c'est vrai que ça peut être utile. Transport de bois réculier, je sais pas. Médicaments, c'était quoi ça? Ah oui, tout le monde gagne plus de 20% de vie, ça c'est bien aussi. Ça c'est bien. Je crois qu'on va partir sur le commerce et on pourra rien prendre d'autre. Ou alors les entrepôts. Non, le commerce d'abord, je pense que c'est plus utile. Ou alors on prend ces deux là ou ces deux là. Ah. Parce que les grandes balistes, ça va être très 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 pratique. Oh, on pourrait en avoir une gratos au début de mission. Ouais ouais, me connaissant, aimant tellement les sous, la monnaie. Je vais partir sur l'économie, mais les trucs militaires sont bien. Ne vous y trompez pas, c'est pas parce que je les prends pas que c'est pas le meilleur choix. Et que moi j'ai fait le meilleur choix, c'est pas vrai. Je l'ai pas forcément fait. Donc les mines du corbeau. Sur ce terrain vague volcanique de rochers escarpés, vous trouverez des mines d'or abandonnées par les humains il y a longtemps. Désormais, seul le croassement des corbeaux brise le silence de ces terres de cendres. Construisez une grande colonie et exploitez ces mines précieuses pour assurer un approvisionnement continu en or pour l'Empire. Vous trouverez beaucoup de points d'entrée entre les montagnes et les mines. Construisez des défenses solides à chaque entrée pour protéger les mines. Et donc avoir une population de 700, une production d'or de 2000, on a un temps limite de 67 jours et la base centrale ne peut pas être détruite ou infectée normale. Surtout illégale. Mais non, j'aime l'économie, j'aime les sous quoi qu'il arrive. C'est les jeux qui font aimer l'illégal, hein, c'est pas ma faute. Et Nelson Montfort est de retour, oui. Mais c'est aussi les annonces des vieux journaux, limite en noir et blanc, qui étaient un peu comme ça. Les vieux documentaires en noir et blanc. Alors... Quoi? Attendez. Ok. Ok, c'est bon. J'avais changé mon clavier. Ici, on va faire quand même des maisons tout de suite. Par contre, c'est très noir, je vois pas très bien. Ah, vous voyez pas mon curseur, mince. Ça c'est pas ouf. Je mets ces maisons là. Je regarde vite fait, mais normalement j'ai coché là. Capturer le curseur, ok. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Flo. Vous verrez que moi aussi j'aime bien voir le curseur des streamers. Par contre là, je ne vois rien, c'est abusé. Toi, il va falloir que tu viennes défendre en bas. Non, non, mais non, justement, c'est très bien que tu me préviennes. Je préfère que tu me le dises maintenant plutôt que dans 2 heures. Et je préfère qu'on me le dise plutôt que je m'en rende compte dans 8 épisodes. Ah ouais, il y a plein d'endroits d'or qui sont déjà pré-marqués. Donc c'est ces endroits-là qu'il va falloir aller visiter. Il nous faut de la nourriture. Là, il y a 24, 22.
Mais je me méfie un peu parce que vaut mieux avoir genre un 19 et un Renault 19 que un seul 25, je trouve. On va voir d'abord la Syrie. 11. Voilà, la Syrie, par contre, une à 20 ici, ce serait parfait. Alors, à quel endroit on peut la mettre pour qu'elle donne bien de l'énergie de partout? Là. Oh punaise, on voit à peine. Je trouve qu'on voit rien. Moi, si c'est pas le cas pour vous. Ah, là, il y a des choses. Là, tout est assez verdâtre, monochrome. Non, j'ai dit la Syrie ici, parce que la Syrie, il y en a besoin de beaucoup moins. Et une qui produit beaucoup en début de partie, c'est quand même très efficace. On voit bien nous, mais augmente peut-être ta luminosité. Ouais, et c'est chiant parce qu'après, j'ai deux écrans qu'il faut que je... Enfin, je préfère les avoir synchronisés, donc... Pas spécialement envie de m'embêter avec ça. 17 là, là on pourrait avoir un 21. Voilà. Non, il va nous falloir des maisons. Pour ça, on a déjà mis 7 cabanes de chasseurs. 7, 19, 21. On va mettre la 21 dès qu'on peut. Et on n'oublie pas qu'il faut qu'on trouve de la pierre très vite, un gisement de pierre. Si on en trouve un, ça va nous permettre de faire une caserne. Et au pire, si c'est juste de la pierre de base, ça peut suffire, c'est ça hein. Ouais, c'est 20 pierres qu'il nous faut. Ah. Ah, tu vas y arriver. Ah oui, alors, que j'ai oublié, d'abord la cible la plus forte, toujours. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Voilà, tu t'en sors. Alors toi, si t'avances... Voilà, lui il va s'en sortir facilement. Voilà, tout va bien. Pas de stress. Dans ce niveau, le sniper serait très utile. Ah, t'as déjà fait ce niveau, Flo. Et ben, tant pis. Moi, il aurait pu garder ici, par exemple. Donc, de l'or. Et du fer, ça, c'est du fer. Hein. Moi, c'est pas du fer que je veux, c'est de la pierre. C'est trouver de la pierre. 40 PV sur 60, tu vas régénérer. Ouais, mais si tu rush le sniper, ça devient une pierre angulaire de ton build. Alors que moi, je voulais éviter de le rush, donc... C'est peut-être pas une bonne idée, hein. Peut-être qu'il fallait le rush. Peut-être que c'est plus efficace. Non. Là, il y a de l'eau. Enfin, je sais pas si on peut considérer que c'est de l'eau, mais
Le pêcheur ne me dit rien. Ouais, ennemi trop proche de cette position. Ici, c'est bien de l'eau. Ça y ressemble pas des masses, je trouve. Ici, c'est quoi? Ici, ils ne nous disent pas. On va avancer là. On va avancer par ici aussi. Ici, comme ça, on pourra mettre un mur là, au moins. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ennemi trop proche, d'accord, très bien. Là, madame. Bien les. Commander, on your orders. Understood. On your orders. The train has arrived at the station. At your service. All the way. Pas très efficace que ce soit le soldat qui court, mais bon. Come on. Let's go. All right. Là, il est midlife, ça devrait un peu mieux se passer. Ok, toi tu vas là, toi tu retournes ici. Et niveau minerai. Ah, ça c'est de la pierre, c'est très bien, c'est ce que je voulais. On va se mettre là. Oh punaise, tu galères, toi, viens aider ici. Laquelle? Celle-ci à gauche, ok. Et là, ils sont en train d'arriver presque aux maisons. Oh, viens ici. Voilà. Mais c'était chaud. Mais ça se passe. Et là, on a toujours... On a du fer, mais pas de pierre. Pour ça, on a dit qu'il nous fallait une mine, genre ici. Alors là, on pourrait faire 2 plus 2, ça ferait 4, alors que là, on peut avoir 7. On se casse pas la tête. Encore mieux dans les tours qui augmentent sa portée déjà énorme. Ouais, mais je me doute que le sniper est très certainement pas mauvais. Il y a déjà un bâtiment qui récolte dans cette zone, très bien. Ici, 18, 9, on va prendre ce 19 pour commencer. Oh. 21 là, c'est parfait, et puis après ça redescend, c'est bien. Là, il y a du 21, mais non, ça va pas le faire. Ici, j'ai personne. Attendez, j'ai un soldat ici. Enfin, une ranger là-haut. Ah, j'ai une ranger qui est morte. Le chalet, non, je crois pas que je l'ai débloqué encore. Toi, viens là vite. Ok, la carrière est faite. On a dit qu'elle faisait 7. 3 x 7, 21. Il faut au moins qu'elle récolte 3 fois la carrière. Ça va pas être immédiat du coup.
Oh, ici c'est plus protégé que ce que je croyais. C'est des débris ou. Parfait. Alors que je pense à l'énergie aussi là. Non, j'ai encore 15 d'énergie, donc c'est correct. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Mais on va quand même y penser. Attention. Building completed. Là. Mais les chalets, ouais, c'est très bien comme techno, les chalets. Oh non. You again. I hope you're not wasting my time. You order, you pay. Il a déjà le bon cycle et toi tu viens là. Et là je peux faire je vais le faire où? Oh punaise, un peu foiré. Ah, c'est bon, c'est bon. On a une qui fait ça. Une qui revient là, et la troisième qui revient ici. Là. 16, 18, 21, 20, je crois que je pourrais jamais remettre en face. Ouais, demi trop proche. Ouais. Bon, en tout cas, pas pour le moment. Et toi, tu vas mettre ici les soldats. Zombie au nord. Quoi? J'ai dû louper. J'ai dû louper, ouais, il y a 2 minutes. Toi tu vas jusque là. Toi tu vas jusque là. Ah oui, il me faut du fer aussi. Bah, le fer c'est là-haut. Hein. Si je veux des soldats, il me faut du fer. Donc. On va monter. Oh punaise, on va. Hop, toi, reviens là. Ça va qu'ils arrivent d'ici. Ouais, c'était tout à l'heure pour les zombies. Elle va le voir. Est-ce que elle va être attirée? Oui. Parfait. Elle gère bien son job. Just guide me to the infected. All the way. All right. Perfect. Let's go. All right. You again? Are you sure? Toi, tu veux crever. Il faut de la nourriture, il faut de la nourriture. Alors, on avait dit que ici il y avait un beau 21.
On avait dit qu'on pouvait mettre des trucs de pêche aussi. Alors, il y a un 12, là il y a un 18 qui est très bien. Mais ce 16 là, au moins il est un peu plus protégé. Mais bon, le 18 est tentant. Ouais, ouais, je peux pêcher effectivement. Tu le dis au moment où j'en parle. Voilà. Ici, il faut, que j'aille au nord pour avoir accès à la mine de fer pour pouvoir faire des soldats. Et là, je vais être. J'ai 6 de fer encore. Oula. Un soldat demande 2 de fer et j'ai pas de prod donc. Ça va, passe correctement. Alors nos unités sont attaquées. Ici toi, recule. Toi tu montes là-haut. On sort à 2 PV. Il y en a un autre qui rush dessus. On va pas le faire mais ça va, elle a déjà régène. Toi. Toi, tu vas venir là et tu vas faire des patrouilles ici. Hop, vous, vous videz bien les unités les plus fortes en premier. Au nord, oui. Mais lui, il est vétéran, il devrait pouvoir gérer un peu. Il y en a un qui va juste se mettre là, j'en ai marre. On a dit qu'on voulait s'étendre au nord mais on ne le fait pas vraiment pour le moment. Toi tu vas venir ici et vous vous allez monter. Et toi tu es juste protégé ici. Voilà. Toi tu fais des airs ici, ok. Et vous, vous vous étendez là-haut. C'est juste quand lui il bouge. On va devoir faire quelques rangers, hein.
ennemis trop proches, ouais. Je pourrais me mettre là au final. Bien là, ça me donne la zone. Ouais, bah non. Let's go. All the way. All right. All the way. At your service. My bow and arrows. Is everything okay? Do you need me? Ready and waiting. Any orders? Commander? Let's go. All right. Forces are in danger. On your orders. You again. Gotcha. Just guide me to the infected. This better be good. You order, you pay. Okay, my bow and arrows are ready. Yes. Le marché, est-ce que je peux avoir du fer? Ouais, normalement, le marché, je peux faire des échanges, effectivement. Oula non. Any orders? Tell me. Oh, more orders. Orders, sir. What? Yes. Roger that. Yes. Eux, ça va, ils s'en sortent. Punaise, je fais plus d'écho. On va mettre quelques tentes là parce que sinon ça va vraiment pas le faire. Hop. Parce que je rappelle que l'un de nos objectifs c'est quand même d'avoir 700 colons. On en est qu'à 100. En 60 jours, bon, on est au 11e, là on a le temps. N'est pas m'attaquer tous mes bâtiments, punaise. J'ai besoin de murs un peu là. Un petit groupe, vous y arriverez mieux. Peut-être. On va reconstruire tout ça. Il va falloir qu'on se mette là. On va mettre. On a de l'énergie d'avance, mais pour le moment. Hein. Ici, on devrait pouvoir mettre de poissons. 20, 19, 11. Ouais, il y a 2 20, quoi. On se mettra celui-là, peut-être qu'il gênera un peu moins de ce côté-là. Okay, toi tu fais des allers-retours, toi aussi. Toi aussi normalement. Vous aussi. Et vous faites votre tour vite fait. Ouais, 2 rangers là. Alors, hop, on avait dit là c'était pas mal, mais maintenant que j'ai mieux pris la zone. Orders, sir. Of course, my commander. All right. My bow and arrows are ready. Attention. Let's go. Building completed. Do you need me? Come on.
That will be easy. Our forces are in danger. Perfect. Où ça? Oh punaise, ici. Understood. Just tell me what to do. On your orders. Attention. Any orders? Is everything okay? My bow and arrows are ready. Of course, my commander. Let's go. Perfect. All right. Understood. Il faut plus de travailleurs. Pour plus de travailleurs, il faut plus de maisons. Et là, voilà. Le marché, il faudra de l'atelier de bois avant. On a dit carrière. Alors ici on peut avoir 4, 4, 3. Oh, on peut avoir un 6. Alors, ici on peut avoir un 6. Ici on peut avoir un 5. Et ça sera déjà très très bien, je pense. Voilà, on a dit qu'il nous fallait aussi ça, pour ça il nous faut du bois, très bien, on peut attendre un peu de bois. Oh punaise. Tell me. Great idea, sir. Understood. On your orders. Attention. All the building way. Completed. On your orders. Understood. Ready and waiting. Let's go. Just tell me what to do. Alors toi tu vas venir là, toi tu vas venir là, toi tu vas venir ici ou là-haut. Et je crois que ce toi je t'ai pas mis, tu vas là-haut. Alors les deux rangers, vous êtes bien là, vous vous faites l'aller-retour ici. Et vous vous faites l'aller-retour ici. Et là, on remet la mine à 5 là. Voilà. Ici, nous manquait du bois. Le bois, il va falloir s'en occuper quand même. Mais j'ai un truc qui produit 20 par 20, mais qu'un seul, quoi. Ça produit quand ça veut. Ici, c'est pas mal, là, le 12. 9, 13. Ouais, ouais. Voilà, comme ça je pense que ça sera mieux. Et donc ceci on a 42 bois. Donc il y en a deux qui vont aider celui-ci qui galère. Il y a eu beaucoup par beaucoup, mais. Mais vu qu'il est seul, il produit. Assez lentement. Ouais, les murs sont utiles, mais j'essaie de trouver encore un peu c'est où les meilleurs endroits. J'ai beaucoup de mal à me décider pour des endroits. Genre, j'aurais pu bloquer là et là, mais en fait, je peux bloquer ici, par exemple. Roger that. I hope you're not wasting my time. Roger that. Units under attack. I hope you're not wasting my time. Mm-hmm.
Peut-être que là j'allais mettre une barrière, mais en fait. What? Okay. Are you sure? You are gonna pay me for this. The train has arrived at the station. Yes. A new task. You again. What? Gotcha. Okay. En fait, ça a l'air d'être à moitié muré ici. Ouais, je peux faire des soldats, mais avant les soldats, je voulais faire l'atelier de bois. Alors le marché, on va essayer de le mettre là, peut-être même là en fait, on va laisser de la place ici. Il est un peu plus petit que ça normalement. On va enlever là. Et ici ça m'a l'air d'être bien protégé, donc on va pouvoir ne plus protéger là, mais venir jusqu'ici en fait. Là pareil, j'aurais pu défendre ici, mais je peux. Que là en plus ça m'a l'air d'être plus ou moins le bord de la carte, donc. Très bien, objectif venir jusqu'ici. Oui. Pas assez de ressources, pas assez de travailleurs. Ah. Pas assez de nourriture. Ça va pas être possible, je pense. Quel endroit je peux en mettre comme ça? Je peux en mettre là. 17. Oui, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas accès à une zone d'énergie que tu peux pas me prévenir de combien je vais gagner à cet endroit-là. Si. Il va falloir mettre un peu d'énergie en bas, un peu d'énergie en haut. Ferme, ça va être bien. Ah si, les chalets, je les ai. Marché. On va commencer par le marché quand même. Augmente les capacités des tentes. Ouais, je sais, je sais. Après, ça coûte des ressources, etc. Évidemment. Ça, je crois. L'ouest. Alors, est-ce que c'est l'ouest, le nord, du coup, c'est là? Ou est-ce que c'est genre là qu'il faut bloquer? Dans tous les cas, c'est pas ouf. J'avais oublié qu'il y avait des vagues dans ce jeu. Et déjà plus de nourriture, punaise. Prendre la nourriture là, ça m'intéresse. Alors ici, ouais. J'ai le marché, je sais même plus combien il coûte. Et je peux l'avoir, 8 travailleurs. 8 travailleurs, très bien.
Très bien, 8 travailleurs. Il va me falloir des fermes parce que la nourriture c'est la galère. Ils arrivent de là. Ils arrivent exactement d'ici. Alors. On va faire une relativement dernière ligne de défense ici. Voilà. Et là-haut on se débrouillera sans, je pense. Mieux d'avoir un mur ici. Ils n'arrivent pas d'en haut. Même toi tu viens là. Et on va mettre une petite tour. Une ou deux. Une. Une, c'est une dernière ligne de défense, il n'y a pas besoin que tout le monde soit là-dedans. Ouais, c'est une mini-vague, ça va. On n'a pas la même façon de compter avec le jeu. De quoi ? Non, on peut pas encore rentrer là-dedans. Ah oui, il disait une douzaine d'affectés. Ouais. Oh punaise. Je l'ai un peu sous-estimé la wagonette. Toi viens. Vous, j'ai un peu peur de vous prendre quand même. Comme ça, vous. Mince, il est mort juste au moment où je voulais le rebouger. Il faut que vous veniez. Il est où l'autre? Comme ça, toi tu t'en sors, toi il en faut que j'en prenne un. La merde. Et vous deux, je peux pas vraiment vous dire de venir. Ah punaise, je les envoie un peu à l'abattoir alors que... Oh punaise, ça va être la merde. Bah,
toi reviens. Vous, je suis obligé de vous faire revenir. C'est la merde! Alors, je crois que c'est game over là. Je crains que ce ne soit le game over. J'aurais dû plus faire gaffe à la... mettre plus de murs. Sauvegarde à ce moment-là, tu sais. Non ! Malheureusement, la mission a échoué. Passer en revue les objectifs et conditions de défaite de la mission et essayer à nouveau. Ou sélectionner une des autres missions disponibles. Vous pouvez également modifier la difficulté des missions sur la carte des missions. Bon, pour une fois, c'était pas juste un petit zombie qui est passé à travers les défenses du tout début de partie. C'était vraiment une erreur de ma part de jugement de la taille de la vague. On va dire que c'est bien, ça veut dire que je progresse, mais que j'ai un peu trop confiance en mes troupes. En même temps, j'avais beaucoup de rangers et pas beaucoup de soldats. Si c'était la même troupe en soldats, ça serait peut-être mieux passé. J'aurais eu deux fois la taille de l'armée. Enfin, les soldats sont à peu près deux fois plus puissants que les rangers, donc ça aurait peut-être pu mieux marcher. Une petite douzaine, ouais, c'est ça. Dans tous les cas, on arrête la VOD ici, vu que ça fait qu'un seul essai, mais c'est un essai d'une heure, donc on arrête là. J'espère que cette petite défaite ne vous aura pas fait trop mal au cœur, que ça vous aura quand même plu de suivre la partie. Et je vous dis à très vite, je pense, pour retester les mines du corbeau. Maintenant qu'on connaît un peu mieux la carte, il n'y a pas de raison, ça devrait aller mieux. Allez, à plus.